dessous. C'est parti, premier match Vargas contre Ramza. Ça commence à zone. Je connais pas trop Natsu encore. Hein. Je vous préviens. C'est juste que j'ai vu des combos qui faisaient 3/4 de barre. Ça m'a suffi à comprendre. Les Buddha Style, ils ont pas beaucoup de chance. Le 2B. Siska. Avec un catch-up vu. Zack continue un pressing comme il avait l'habitude depuis le 4 hein, quand même. Toujours un pressing assez corps à corps. Il joue avec ses stance. Allez. Step de Natsu sont vraiment pas mal. Un très 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 bon step. Hein. Impressionnant. Voilà. En même temps, il y a quelqu'un qui peut vous faire C puis une chop derrière. Ça fait très mal. Le bébé gratuit. Voilà. Ramza, il a l'air de se faire un peu arnaquer par quelques trucs, mais alors Vargas a l'air deux fois pire. Ça va aussi de façon. Bon, bon, Théo. Ah ouais, ça avance vraiment vite en tout cas. Vargas qui sait plus quoi faire et il fait pas de choc. Il a pas fait une seule choc. Oh là là, ça rate ses combos en plus. Bon ben, ça sera rater ses combos. Hein. Il va se faire. Maxou, ça commence. Ouais, c'est le deuxième match. Ça va arnaquer, 4B chargé, mais c'est quoi? Alors, ah, 1-0 pour Ramza. Kusanagi qui a gagné 2-1 contre El Azul. Attiré, Lionel. Le match continue. Première chose qu'il veut essayer de faire, il se fait directement punir. J'ai l'impression que Vargas il sait absolument pas quoi faire. Ça rate encore sa combo. Rush. Rush. Bombe chargée, chop. Allez, merci. Oh, ça commence direct avec un tiers de barre. Deuxième tiers. Un Vargas qui a l'air mais inexistant dans ce match. Il se fait vraiment malmener. DB, plus rechargé. Ça sort les combos, il s'est vidé sa barre avec le wall combo avec Bingot. Vargas qui a l'air de vouloir se réveiller un petit peu. Il va falloir parce que là il est en train de se faire vraiment laminer par Ramza. DB c'est un garde. Recharger, whiff, BTB plus K, BBE, et hop, ça va remettre Ring Out. Oh, il rate ce sac. Le sac. Ça prendra sa gauche de Vargas, qui rate son combo. Voilà. Ramza qui gagne donc 2-0 ce match. Ramza, tu restes. Ryukuzan. Ryukuzan Ramza. Tu joues sur le stream. Gros sac. Donc,
Ouais, Vargas qui aurait pu totalement revenir dans cette partie, mais complètement raté. Un 6K, faut rappeler, hein, 6K, c'est vraiment le coup le plus difficile à faire. Ça comme tu jouais, toi ? Ouais. Il est tellement bourré qu'il a fait 6-6K. Donc Ramza qui passe donc son deuxième match qui a l'air en tout cas un peu chaud. Et ça fait apparemment ça pique la barre bien comme il faut. Oui, 24 participants pour le tournoi, sachant qu'il y a au moins 10 joueurs du PIF qui sont arrivés derrière, mais ils sont arrivés trop tard. Les joueurs du PIF comme Keizuna, Kira, Shio, tout ça, ils sont arrivés en retard. Ça Putain, check donc. Donc c'est parti pour le premier match de Ryukuzan contre Ramza. Donc Ryukuzan qui était arrivé pas mal loin dans le premier sous l'arena, qui avait montré un bon pas trop close. On va voir s'il connaît son match-up contre Natsu qui est pas tellement joué. Hein. En tout cas pour l'instant ça se joue PO Shop. Ça zone tranquillement. Ramza a l'air chaud bouillant de son match d'avant. Premier round pour Ryukuzan. Donc il a totalement rattrapé. C'est vrai que pas trop close, ça fait quand même vraiment pas mal de dégâts sur quelques coups. Akire dans le tournoi, oui, s'il est en train d'affronter Frionel. Apparemment Ryukuzan, ça rappelle un peu plus du match-up, il commence à utiliser les coups qu'il faut pour empêcher les téléports et autre chose, et autre carotte. Combien ? Alors ce que va nous donner ce troisième round. Sa zone avec un brave. Donc Patroclos qui joue avec des petits pokes. C'était Techcraft ça peut-être, je sais pas, en tout cas ça a l'air d'avoir bien relunch. Possibilité peut-être de mettre quelque chose d'autre derrière. Chop. Et counter, ça tue. Ravlak a vraiment l'air chaud. Hein. Il zone comme il faut, il fait les bons choix. Ça fait des bons DGI en plus. C'est combo ça? Ah oui. Ça fait demi-barre quand même, pas mal. Ça fait demi-barre, c'est pas mal comme combo. Ouais, ça va. Ouais, c'est chouette. Ouais, les commentaires de l'entrain, désolé. J'avouerai que je connais pas trop grand jeu. Ma Xbox, elle est même pas chez moi. Enfin, j'ai un Yoshi totalement du pif. Enfin, bon, déjà qu'il était du pif avant, alors maintenant c'est encore pire. Yeah.
Excellent. Battle to fight. Hiya! Ready? Yo, Izanagi. Alors Akiri qui vient de gagner, je crois, 2-0. Contre Frionel. Alors vous allez continuer. Alors ça, est-ce que tu peux le faire en réflexe ou pas, là, le téléport shop? C'est juste si ça donne un coup que ça se passe, c'est non, ça, je connais pas trop les coups en fait. Un BCE. D'accord. Ça marche. Je sais pas si... Après, ça va faire mal ça aussi. Enfin, des coups comme ça au pif, je comprends pas trop pourquoi il met pas ses gardes. I will show you the price of justice! As planned, you're finished! Let's get serious! Ready? What? Just shut up! KO. That's enough of that for one day. Donc Ramza qui gagne encore 2-0. Dina Raven sur le stream. Toi t'as perdu ? C'est là. Donc on aura Dina Raven sur le stream. Grim, Akiré. Allez Raven. Non mais j'en peux plus. Bah ta gamine. Les streams avec Dina. Dina, il est en plein. Dina en plein.